Méditation du 13 décembre. Désactivation des mines. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abats le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. » Juge 6 et versets 25 à 26. Renoncer à nos idoles fait mal. Cela nous expose, mais pour nous donner des habits de peau, Dieu doit d'abord enlever nos tabliers de feuilles de figuier. Avant de nous habiller, Dieu nous déshabille. Avant de construire un autel, il démolit nos idoles. Puisque nous avons vécu si longtemps avec nos idoles, ils sont enfouis au plus profond de nos âmes. Ce sont des mines antipersonnelles. Si nous faisons un seul faux pas, elles briseront notre estime de soi. Par conséquent, pour nous guérir, Dieu doit nous montrer l'état de notre cœur. Il doit nous mettre à nu. Un ami a fait des commentaires négatifs sur mon travail. Évidemment, personne n'a envie d'entendre ce genre de commentaires. Mais ma réaction disproportionnée en pensant que mon travail était médiocre et à pleurer pendant 20 minutes après son départ me montre qu'un danger se cache sous la surface. La mine antipersonnelle que l'ennemi a enfouie dans son cœur est l'idole de la réussite professionnelle. L'idée sous-jacente est que je dois gagner ma valeur en tant que personne en étant une professionnelle parfaite. Que la pire chose qui puisse m'arriver est d'échouer. Peu importe le nombre de réalisations que j'accomplis, je ne sentirai jamais qu'elles sont suffisantes ou plutôt que je suis suffisante. C'est le piège de l'idole du succès. Mais la douleur de l'échec peut agir comme un radar, me montrant les zones de mon cœur que je n'ai pas encore abandonnées. Si je le lui demande, Dieu commence à creuser. Avec ses mains, il enlève la terre autour de la mine avec la précision d'un neurochirurgien. Le processus est douloureux et n'est pas instantané, mais Dieu est fidèle pour achever tout ce qu'il commence. Petit à petit, à mesure que Dieu désactive les mines antipersonnelles, je regagne du territoire spirituel et émotionnel. Le sol stérile devient un champ fertile. Là où je n'osais pas m'aventurer de peur de faire exploser mes angoisses, il y a une piste de danse. Tout devient une fête. Prière, Père, je te donne la permission de déterrer et de désactiver les mines de mon âme. Même si le processus m'expose, je sais que ceux qui te font confiance ne seront jamais honteux. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.